L'homme du grand froid n'a pas froid. Paul-Émile Victor, l'explorateur, est en bras de chemise chez lui, dans sa cabane de la forêt de Rambouillet. Le 5 juin 1956, il reçoit le commandant Cousteau et son teckel Bull, ainsi que le vainqueur de l'Annapurna, Maurice Herzog. Derrière l'appareil photo, Maurice Jarnoux, qui partage ce moment d'amitié. Les trois visionnaires de l'aventure se sont donné rendez-vous. Paul-Émile Victor est chez lui. Il connaît bien le chemin de randonnée qui accède à la clairière de la maison en bois, mais les deux autres ont étrangement du mal à se repérer entre les arbres. Le commandant Cousteau veut prendre à droite, tandis que Maurice Herzog, suivi de Maurice Jarnoux, le photographe, propose de continuer tout droit. Ils ont mis une bonne heure en forêt pour arriver jusqu'à la cabane secrète de Paul-Émile Victor. À vrai dire, c'est le chien Bull qui a montré la direction, mettant un terme à quelques hésitations. Peut-être que Bull a senti le nuage de café dont le parfum flottait autour de la petite maison.